I started saying before everybody arrived here that it's hard to talk about technology and the digital economy without talking about artificial intelligence. And that's the case when you're talking about the automation of industrial machines as much as anything else, but particularly when it comes to the public sector, because in the public sector, there's a sort of particular responsibility, isn't there, for how we apply the methods and the technologies that artificial intelligence brings to us. And so I'm really excited that we are joined today by this august panel, including some of the most important decision makers in the world of the digital economy. And I'm really hoping, frankly, in the course of this conversation, we can all get a little bit smarter about both some of the opportunities and some of the challenges. Perhaps, Commissioner, if I can start with you. There's no doubt, and I discussed this morning with the Prime Minister Trudeau, that there's a race going on, a race to get to the place that everybody wants to get to, which is one of the application of generalized artificial intelligence. But it's a tough race, it's a difficult race, it's a race between countries and blocs, and I kind of want to start by saying, how do you think Europe is doing in that race? Déjà, l'Europe a une conscience très claire de l'enjeu que représente l'intelligence artificielle. Ceux qui vont le maîtriser vont être aussi les plus compétitifs. Ce qui nous préoccupe, nous, comme Européens, c'est que ce soit au service des citoyens. C'est pour cela que, à partir du mois d'avril, nous avons notre stratégie européenne. Dans cette stratégie européenne, nous mettons l'accent sur trois grands axes qui, pour moi, font ce que l'approche européenne a d'unique. D'abord, évidemment, qu'il faut renforcer nos capacités technologiques et industrielles. Oui, les États-Unis, la Chine, le Japon ne nous attendent pas. Maintenant, quand on parle de ce renforcement technologique, il nous faut nous doter de budget, il faut doubler les investissements. La Commission propose d'avoir 1,5 milliard d'euros d'ici 2020, avec l'ensemble des investissements publics et privés à la hauteur de 20 milliards d'ici 2020. Et ensuite, nous avons l'ambition d'avoir 20 milliards d'euros par an pour la prochaine période 2027. Il nous faut aussi des infrastructures telles que le HPC, le calcul à haute performance. Nous allons en parler pour avoir l'intelligence artificielle. Il nous faut des données, il faut calculer vite, il faut extraire vite la valeur des données. Il nous faut aussi retenir nos talents, parce que, aussi compris maintenant, ils quittent énormément l'Europe. Et il faudrait qu'on parle données. Il faut qu'on parle vraiment d'avoir plus de données au niveau européen, qu'on parle de HPC ou encore des bases de données qui doivent être partagées. Le deuxième axe, c'est vraiment les questions qui sont pour moi vraiment l'unicité de la valeur européenne, c'est les questions éthiques. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la Chine, parce que notre approche de l'intelligence artificielle, elle est fondée sur des valeurs, sur des principes. Donc dès lors qu'on parle de questions éthiques, il va falloir adresser les questions de la protection des données privées, de la responsabilité, de la transparence, de l'inclusivité, de la non-discrimination. Et la troisième question, c'est d'adresser les questions sur l'impact du marché du travail. Nos citoyens ont peur de l'intelligence artificielle. Peut-être ici, nous sommes des enthousiastes, on a envie que cette opportunité soit profitable de l'Europe, mais nous devons vraiment préparer nos citoyens à cette transition où l'intelligence artificielle, je ne partage pas les analyses, elle va détruire 60% des emplois en neuf, mais elle va transformer la majorité des emplois et c'est pour cela qu'il faut les accompagner. Merci, Madame la Commissaire. Peut-être, Monsieur le Ministre, vous pouvez donner votre perspective dans ce sujet. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, ça doit aider, comme a dit Madame la Commissaire, les gouvernements dans le cadre de la stratégie européenne. Mais évidemment, pour la France, il s'agit de récupérer un petit retard. Et c'est pour ça que le Premier ministre a demandé à Cédric Villani, un de nos plus grands mathématiciens, qui est par ailleurs parlementaire, de travailler sur cette question. Et c'est grâce notamment à son rapport, à ses études, que nous changeons de stratégie, ou en tout cas, on accentue cette stratégie. Il y a d'abord des stratégies à mettre en place avec des moyens. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de remettre la deuxième tranche, si j'ose dire, des moyens que donne l'État à un certain nombre de réflexions faites par des administrations, par des préfectures, par des directions. 700 millions d'euros sont mis en place dans un fonds de transformation pour aider notamment au développement en termes de stratégie d'intelligence artificielle. Dans les projets que nous avons vus, 52 projets sur la centaine de projets qui ont été proposés à l'État, sont des projets qui tiennent de l'intelligence artificielle. C'est très important. Ça va me permettre, notamment si je parle de mon ministère, de faire plusieurs choses. D'abord, de mieux lutter contre les fraudeurs, parce qu'on va pouvoir détecter un certain nombre de choses beaucoup plus facilement. Et donc, c'est un avantage
C'est un désavantage pour les fraudeurs, mais c'est un avantage pour ceux qui ne fraudent pas. On va mettre les contrôles là où on est à peu près sûr de tomber sur quelque chose et plus faire des contrôles qui aujourd'hui, pour 20% d'entre eux, ne donnent rien et qui embêtent les entreprises et les particuliers qui n'ont rien à se reprocher. Et puis ça permet aussi de faire du prédictif en du conseil. Je suis également le ministre des URSSAF, en même temps que le ministre des Impôts, et grâce à ces données d'intelligence artificielle, on va pouvoir notamment repérer les entreprises qui vont mal. Parce qu'avant, l'entreprise qui ne paye pas d'impôts ou qui les paye mal, il y a celles qui fraudent et puis il y a celles qui ne peuvent plus les payer. Et là, le fait de pouvoir prédire, parce qu'on voit qu'un certain nombre de données nous permettent de dire que c'est les entreprises qui prennent un mauvais chemin, les URSSAF ou les impôts peuvent venir en amont faire du conseil pour les aider, peut-être pour leur faire un certain nombre de prêts ou d'avances, qui leur permettent d'éviter de tomber dans le schéma de « je ne paye plus mes impôts » ou « je cherche à faire des gains de trésorerie en fraudant la TVA ou demain l'impôt sur le revenu ». Ça, c'est un point pour nous très important. Et puis par ailleurs, je terminerai par là, l'État, c'est magnifique pour lui parce qu'il va aussi recruter des nouveaux profils. Et que ce soit dans les douanes, que ce soit à la Direction générale des finances publiques, les impôts, que ce soit aux URSSAF, désormais nous recrutons un certain nombre de data scientists. Il y en aura une quinzaine aux douanes, ne serait-ce qu'en début d'année prochaine, qui vont nous permettre de mieux conseiller les entreprises, de donner peut-être une culture informatique et une culture des données que n'avait pas jusqu'à présent l'administration publique. Et grâce à la DITP, la Direction de Transformation, et notamment Thomas Cazenave, le directeur qui s'en occupe, c'est un point très important aussi pour nous, pour faire des économies d'échelle, moins de dépenses publiques, plus d'efficacité et mieux lutter contre les fraudeurs, une administration moderne. Et est-ce que vous avez vu quelques pays où vous avez trouvé des expériments avec des AI dans ce système que vous avez trouvé vraiment exceptionnel qu'on peut importer en France? Oui, j'ai fait un long déplacement aux États-Unis, notamment aux États-Unis où j'ai vu, notamment en Californie, des choses très intéressantes sur les réponses prédictives des administrations. Nous le faisons un petit peu désormais à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre de mails qui sont envoyés et il y a beaucoup de tâches répétitives de la part des agents. Alors qu'on sait par ailleurs que l'ordinateur peut répondre à ces questions de base 1. Et ça, nous avons donné un accord avec Pôle emploi suite à ce déplacement pour qu'ils expérimentent ces réponses automatiques, qui n'empêchent évidemment pas le contact humain lorsqu'il y a un certain nombre de questions plus complexes qui se posent. Je suis allé en Estonie, dont tout le monde connaît évidemment l'intérêt et la grande efficacité, et notamment lorsqu'on travaille sur le passeport et l'identification unique et sur le cloud gouvernemental, nous permettra, le Premier ministre y est allé avant moi, de travailler plus en amont. Et je vais dans 15 jours en Angleterre, notamment dans la relation de confiance avec l'administration fiscale, de voir comment on peut auditer des montages financiers, comment on peut récupérer un certain nombre de données, et en échange de cette relation de confiance, du fait qu'ils nous donnent leurs montages financiers, qu'ils nous partagent un certain nombre de données, on s'engage à ne pas venir contrôler. Jusqu'à présent, il y a une phrase en français, on dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». L'administration fiscale, c'est pour l'instant, le contrôle n'exclut pas la confiance, on va essayer d'inverser les choses. Exactement. Yes, of course. Yeah, of course. It's more technical. But Pierre, you see from all of the work that Accenture does, many different examples and perspectives. Perhaps I can invite you to comment on where you see the greatest advances that you have observed in one company, in one administration that really ought to be expanded more aggressively across across into Europe, France, of course. Oui, alors il est toujours compliqué de comparer un pays avec une entreprise et un conseil des ministres, j'imagine, avec un comité exécutif d'entreprise. Cela dit, il y a quand même des éléments communs à prendre en compte. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va être un incroyable accélérateur de la qualité de service et de la performance des entreprises, mais aussi des administrations, en combinant les données, la voix et en effet la vidéo, parce que c'est ça qui correspond à l'intelligence artificielle. Quand on regarde, je veux dire, il y a des pays qui ont fait beaucoup d'avancées et que je qualifierais plus comme des laboratoires sur lesquels on peut s'appuyer. Singapour est un, d'ailleurs ils se baptisent eux-mêmes un Living Labs, c'est un laboratoire vivant où on a beaucoup travaillé avec eux sur les domaines de public safety, healthcare, notamment. L'Estonie, bien sûr, qui a fait tout un travail de digitalisation massive de ces processus. Si je regarde les pays les plus importants, comme le disait le ministre, évidemment les États-Unis ont beaucoup avancé. Je pense notamment dans le domaine de la santé,
et avec, on a pu mener des projets avec Boston Scientific dans tout ce qui est predictive healthcare, parce que tout l'enjeu pour les gouvernements, c'est d'éviter que les citoyens aillent à l'hôpital. Qu'est-ce qui coûte cher ? C'est l'hôpital. Comment faire en sorte de pouvoir identifier les patients avant ce moment-là et pouvoir leur apporter les soins ? Donc, healthcare, les États-Unis. Quand je regarde public safety, je pense au UK. Des choses ont été faites au UK dans l'équipement de la police avec des moyens d'intelligence artificielle, combinant justement la data, la voix et la vidéo pour repérer les délinquants. Sur les taxes, la France est bien placée historiquement, avec la déclaration en ligne, notamment à Bercy, et sur les finances, est certainement assez en pointe. Sur la fraude, je pense aussi au Danemark, qui a fait énormément de travail sur la fraude, et la fraude est un domaine où l'intelligence artificielle peut faire gagner des dizaines de milliards. Donc c'est un sujet extrêmement important. Sinon, je pense en effet à quelque chose d'intéressant avec la Finlande. La Finlande est l'un des premiers pays qui met en place les fameux chatbox. Et en effet, des réponses par des robots intelligents qui permettront de fournir aux citoyens des réponses de premier niveau, de décharger l'administration d'un travail bureaucratique pour que les agents puissent se focaliser sur des réponses plus sophistiquées. Donc je dirais en synthèse que bien sûr le secteur privé est plus en avance par rapport au gouvernement, mais que depuis 2-3 ans, peut-être par la compétition qui existe entre les pays qui veulent tous être digitaux, on commence à voir une montée en régime principalement santé, public safety, tax and fraud, et puis tout ce qui est l'expérience utilisateur au travers de technologies digitales. Mais si on parle particulièrement sur le sujet de santé, il y a, comme le commissaire a dit, grande question éthique. C'est pas tout le monde qui veut qu'on avance l'artificial intelligence dans le système de santé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme un gouvernement, comme la Commission, pour créer une fondation éthique pour cet progrès? Peut-être, commissaire, un peu. Oui, je voudrais répondre effectivement, comme je l'avais dit, ces questions éthiques sont au centre de notre stratégie européenne sur l'intelligence artificielle et nous allons livrer un premier résultat très prochainement. C'est-à-dire, ce que nous avons fait depuis le mois d'avril, c'est de former un groupe d'experts du haut niveau avec 52 experts. Je les ai rencontrés encore le mois dernier à Helsinki. Ils sont en train d'élaborer des lignes directrices sur les questions éthiques. Qu'est-ce que cela veut dire, Trusted AI? Est-ce qu'il y a une différence entre l'intention et la mise en œuvre? Donc, toutes ces questions vont être adressées et vont être publiées au mois de décembre. En revanche, là où je voudrais attirer l'attention de la salle, c'est qu'une fois que le draft de ces lignes directrices soumises par le groupe d'experts, je voudrais voir l'Alliance européenne sur l'intelligence artificielle que nous avons formée valider ces lignes directrices. L'Alliance européenne, c'est une plateforme qui réunit tous les stakeholders, des compagnies télécoms et les banques, jusqu'à chercheurs, jusqu'aux simples citoyens. Ils vont servir justement de passerelle entre le groupe d'experts et la société, les citoyens, la société civile. Donc ce que je voudrais tout simplement, c'est de voir les prochains mois le débat s'accélérer pour que l'Union européenne, en tout cas, soit en quelque sorte pionnier dans ce travail d'adresser les questions éthiques, d'avoir un socle commun sur lequel nous sommes capables de nous mettre d'accord et ensuite, évidemment, de ne pas rester à l'intérieur du continent européen parce que l'intelligence artificielle, comme tous les autres phénomènes liés aux nouvelles technologies, ne connaissent pas de frontières. Pierre. Oui, je voulais réagir tout de suite sur ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Ils sont en fait au cœur du succès des stratégies digitales et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la donnée, c'est le problème et la solution. Et donc, c'est ce qui crée ces espèces de tensions dynamiques. C'est la solution, puisque sans données, on ne pourra pas fournir ces nouveaux services, voire même sauver des vies humaines. C'est ce dont on parle dans le domaine de la santé. C'est d'éradiquer des maladies
qu'on ne peut pas encore éradiquer aujourd'hui. Et c'est le problème, parce que se posent les questions de privacy, de sécurité et d'accès à l'information. Donc ça, il faut travailler là-dessus, je pense, avec le régulateur, mais il faut vraiment que les citoyens, que les parties prenantes soient dans le débat, parce que l'over-regulation peut bloquer l'ensemble des bénéfices, et d'un autre côté, l'absence de régulation sera un problème. Mon deuxième point, c'est que l'Europe, avec GDPR, a lancé le premier ballon, mais il faut en effet, notamment la Chine sera plus compliqué, mais qu'avec les États-Unis, il y ait des collaborations, et notamment en Californie, on voit qu'aujourd'hui, il y a des évolutions sur la gestion des données et de la privacy qui sont importantes. Le troisième point, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec les organisations de l'Union européenne il y a quelques années, c'est la vitesse. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, faites-le vite. Parce que le digital n'attend pas, les autres pays n'attendront pas, et surtout les bénéfices induits ne viendront pas. Et la vitesse n'est pas toujours, souvent, mais pas toujours, ce qui a pu caractériser nos amis de l'Union européenne. Oui, mais là, je vais réagir. Évidemment, d'abord, je pense que nous sommes parfaitement capables de montrer que lorsqu'on reste mobilisé, lorsque nous travaillons pour notre leadership européen, nous sommes capables d'agir vite et de qualité. Exemple très précis, il y a un an, nous n'avions pas le calcul d'autres performances, l'euro HPC. Il n'y avait pas de budget, pas d'instrument législatif, pas d'instrument juridique, pas de vision de revenir comme Europe, comme troisième force mondiale sur cette scène-là. Maintenant, un an plus tard, nous l'avons. 1 milliard d'euros de budget, le 6 novembre, première réunion du Governing Board, ambition très claire d'ici 2022, avoir nos deux machines européennes. Deuxième chose, je voudrais insister sur dans le domaine de la santé, vous l'avez donné, je soutiens entièrement ce type d'exemple. Je fais référence à la base de données que nous voudrions former avec les 1 million de génomes européens. Et je dois aussi partager une petite frustration, autant sur le blockchain et l'intelligence artificielle. Déclaration lancée au même moment que celle sur les génomes humains, nous avons eu très rapidement l'ensemble des États membres. Sur celle-là, nous sommes encore à 18. Donc je voudrais vraiment ici faire aussi un appel aux États membres que oui, le numérique est là, la transformation, elle nous donne une énorme opportunité comme Européens, mais aussi il faut accélérer le rythme, il faut mettre au cœur nos valeurs et nos principes éthiques et en même temps, oui, veiller à cet équilibre ô combien parfois délicat entre l'innovation mais aussi régulation. Et pour moi, la régulation, c'est uniquement pour défendre des valeurs, pour mettre au cœur cette approche l'homme aux commandes. Pour l'intelligence artificielle, je prendrai jusqu'au bout cette approche-là. Ensuite, il va falloir vraiment qu'on soit très, très attentif par rapport à ce qui se passe autour de nous. Thomas, you've heard what the ambition is at the highest level, you know, what politicians, you know, want to achieve, but from the perspective of the startup, you know, how does this look for you? Hello? Yeah, okay. So first of all, Daniel, thank you very much for inviting to this summit. We are a startup that has got almost 8 years history. DeepSense AI itself only 4 years, but in fact, so far, vast majority of our projects, the projects that we delivered, were commercial ones. I don't want to say that we are scared a little bit with working with the governments. However, we are I'm slightly skeptic because of the length of the decision-making process. So, in order to, you know, for the company to be successful, the management and the managers need to find projects that generate slightly quicker revenue than it can be done, at least in our opinion, by working with governments. However, I can give an extremely cool example of one particular project that we did for a governmental organization. In fact, it was part of Department of Commerce of the US government, which is called NOAA, which stands for National Oceanic and Atmospheric Administration.
And the project was very interesting because there is a department there that takes care of endangered species of a right whale. There are only 500 right whales living in the Atlantic Ocean, and the challenge that this department has is to identify particular whales on aerial pictures. Well, today it's not a big challenge, but 3 years ago when we delivered that, it was a challenge, because you can imagine that the pictures are taken in various weather conditions, in rain, fog. The whales, you know, do not really present themselves too well on the pictures. So we were approached by this organization, and in particular by the community of data scientists called Kaggle. There was a competition to deliver an algorithm to really, you know, put the picture into the algorithm and as an outcome get the answer which particular whale is in the picture. There were like almost 400 teams from around the world competing one with another for over 6 months. We deployed around 10 of our best deep learning experts in order to deliver the results. At the end of the day, we delivered the best algorithm in the world, which is now being commercialized by NOAA. So it took us almost 2 years from really the beginning to the commercialization stage of the process, which again shows you how long are the projects with governmental organizations. So I think there is a huge potential working with governments, because there are a lot of interesting data sets. But I would agree with my previous speaker that the decision making processes needs to be faster in order to create value using artificial intelligence. I want to continue on what I think is this incredibly important theme of the ethics. The commissioner mentioned it. Because in different countries we have different perspectives on what is ethically appropriate. And we tend to think that in Europe we share a certain set of perspectives. And we work hard to align those perspectives. But even within Europe, we have our very different histories, particularly our different histories of relationships between citizens and the state, and that today has quite an important impact on what we're willing to accept. And I wonder if I can turn to you and hear from your perspective how, you know, working in Germany, there are different perspectives than some of the ones we've been discussing today. Well, two debates here. The first one is about AI into the public space. And just to put the things properly at the right stage for the conversation, AI has nothing to do with data scientists, okay? Data science is one thing, which is linked around the statistical approach of the data, which we're going to use for many aspects, especially fraud. AI is the ability to teach a machine repeatedly to repeat again and again human beings and human attitudes, okay? And that started already many years ago. Arago was founded back in 1995, and we learned that. And we have expanded gradually worldwide. We are a German-based company. And coming back to the ethic part is another story. We should not also mix the question of data privacy, which the European Union is perfectly well equipped now with the GDPR initiative that the Americans are trying to copy, Chinese maybe one day. And I can guarantee you that the GAFA are just looking at our regulations to make sure that their data can be safe, which is not the case in the US with the Patriot Act. So that's one thing, which is the data protection. The other thing is the ethic. The ethic lies on the way on how you're going to use the data, what you're going to do with it. Artificial intelligence is not that. Artificial intelligence is the ability to replicate through a machine a number of stages, steps that any regular human being would take or would think about by grabbing more and more the intelligence. Two examples. We serve today a company into the healthcare, which is called CentoGen, a startup, which is here to sequence the gene and find the rare disease. You need a super special PhD people to do that. And that person can only sequence a number of genes 10 times a day. When you teach the machine how that person recognizes the pattern of the disease, and you take the time to really teach the machine can come a few weeks later at a growth of 700% of recognition and more than 90% accuracy. That gives us the ability to say AI can be of big help for many kind of things. In the administration, we have administration like cities that are using AI to combine a number of elements repetitively, like we said also for the finance
a ministry with which is just tax or other things like that, to make the life of each and every citizen better. We make more sleek the processes. Now, back to the ethic again. I think the ethic lays really on what we're going to do with the combination of all that. I'd like to remind some people here by story that not even less than 6 years ago, we were talking about the mobile revolution, right? Everybody was looking at that. 3 years ago, we talked about the IoT, and we still continue to talk about the IoT. Today, we are talking about big data again and AI. An example of what can drive that derives and where the absolutely the public environment is important even for a company like us, because it's not at the private level to fight for that, but it's at the public level. Maybe a few of you wear and used to wear the Nike band that were, you know, looking at your health characters like today Fitbit does. You should know that that has totally changed the model of Nike, where the data and the ethic were behind that, because by grabbing online directly those data, your health data, suddenly many insurance companies came to you to ask about those data in order to profile you. That's where I think the ethic much more lays than anything else. AI is not here to disturb that. AI is to make sure that we repeat processes. But in terms of data manipulation, that's probably where ethic can be. But I guarantee you that around Europe, we are first very well protected already, but there are many things to be done. Because the data privacy in Europe is serious, all the members of the union are following that. We are under the same regulations, and even if you go to Switzerland, which they pretend to be a safe, in fact, they are just following the same regulations. So I'm not more less afraid about the data protection or the AI implementation, but much more the ethic, that's true. But I have to push you a bit, because you lay out quite a hopeful vision that the EU regime, which I think everybody here supports, is by its very nature, because of the goodness of that regime and because of the implementation across such a wide group of economies, will by its definition be a victorious one. You talked about the GAFA companies wanting to apply it. But at the same time, having visited and seen some of the developments in China, where they're simply willing to experiment on, I would say on people, in order to test their systems, I'm just left coming back to Europe with this idea whether we are just being a bit naive, whether it's not to say that we should give up those liberal values and the rules that we're creating, but just whether we're sanguine enough about the genuine competition that we're facing. I think it's always the same story, and Pierre could say that probably for Accenture. China is China, and yes, they have a very center state. We're also present in China, so they're a very center state focus on the things. The European Union is full of talent. In a company like us, we today employ about 150 people. We have 33 nationalities, where 20 of them are Europeans. And I can guarantee you that we are just pressing on. One thing is Europe. And we have an initiative today in Germany going on. Chris Booth is now with Angela Merkel at the same summit talking about investment from the digital space in Germany, where Cédric Villani was invited by our prime minister to also invest 1.5 billion. I'm going to say it's time probably to join that together and be wise for a while, okay? Regulations is critical, and we're working on that, okay? We had a chance also to receive one of your colleagues in Frankfurt recently to talk about data privacy as well. But what the private companies like us, what Arago and others are asking, is that we merge together and work together instead of just having local initiatives that you can really drive forward. GDPR is a marvelous aspect of the things where the people can complain, but the company are going to follow that because the rules are established, okay? Why don't we join our efforts all together and invest all together in the same direction? And that's what we are trying to do at Arago from a private perspective, but I think from a public perspective, it's really much more important. And yes, we can, in terms of AI, go back to the US level, which is far away, but at least beat what the Chinese are doing today, frankly. In fairness to the European Union, I think the commissioner has talked about an effort to bring together a number of different initiatives. But Minister, perhaps if I can sort of ask you that question, because the president has very eloquently put France at the forefront of the AI competition. His interview in Wired magazine is still circulating. How do we align that national ambition with a desire to compete with the Chinese, which requires us to collaborate a little bit more between different countries? How do we align that tension? Alors, c'est évidemment une question compliquée. Comment on peut faire que la France rentre dans le concert des nations et en même temps essayer d'être dans la souveraineté européenne et nationale?
Alors, on fait plusieurs choses. D'abord, on essaye, de manière générale, de baisser la fiscalité, parce que c'est effectivement une complication lorsqu'on veut faire venir des entreprises, et des entreprises créateurs de richesses, avec une fiscalité qui est basée sur l'économie peut-être un peu ancienne, et puis avec des enjeux nouveaux. C'est ce qu'on a fait, je crois. La deuxième des choses, c'est qu'on a aussi essayé d'équilibrer entre l'économie physique et l'économie numérique, en essayant de donner le même traitement fiscal. Alors, je prends un exemple. Si vous louez votre appartement dans une agence immobilière physiquement et si à passer par une plateforme, vous n'avez pas toujours les mêmes données, grâce notamment un certain nombre de start-up et de création d'idées nouvelles pour l'État ont permis de faire un certain nombre de contrôles. Puis, troisièmement, il y a le travail que fait Bruno Le Maire. Mais de manière générale, nous devons mieux comprendre, mais ça, c'est l'Union européenne qui peut nous y aider davantage, pas rester franco-français, mieux comprendre quelle est la stratégie européenne. C'est pour ça que Mme la Commissaire fait un travail très important avec toute la Commission européenne vis-à-vis de grands géants numériques ou de pays qui ne jouent peut-être pas toujours le jeu ou au contraire qui essayent de récupérer un certain nombre de données ou d'être un peu plus dans le soft power numérique, on va dire ça comme ça. Et on doit avoir une réponse pas simplement française. On doit surtout avoir une réponse européenne. Moi, je m'enorgueillis que la France aujourd'hui, elle pousse en premier un certain nombre de choses qui relève de la fiscalité, mais qui en fait relève de la société, du numérique, la façon dont on conçoit les services publics, dont on conçoit la consommation. Et la réponse, elle doit être européenne. Elle doit pas, ce serait pas beaucoup de sens qu'elle ne soit que française. Et dans le niveau mondial, est-ce qu'on a besoin de quelque chose comme une IPCC pour artificial intelligence? Nous avons une IPCC pour climate change, etc. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose comme ça où tous les pays peuvent parler ensemble? Déjà, le Japon a annoncé qu'au moment du G20, l'intelligence artificielle sera l'une des priorités. Mais moi, je reste toujours un peu prudente. D'abord, remplissons de contenu ce que nous avons comme structure existante, comme stratégie, avec des actions concrètes, avant de proposer de nouveau quelque chose qui risque de rester dans le domaine de la déclaration et du souhait. C'est pour cela que j'apprécie énormément ce type d'initiative concrète, mais maintenant je voudrais voir plus d'États européens, parce que nous en avons encore plus que la moitié qui n'ont pas de stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Donc je voudrais, alors que le mois prochain nous allons proposer un plan d'action avec les États membres afin d'identifier quels sont les investissements court et long terme, quelles sont les politiques sur lesquelles il va falloir miser. Mais c'est pour cela que je reviens à une question, c'est la question de l'accès, parce que tous les États ne sont pas au même niveau, tous les citoyens ne sont pas au même niveau, tous les secteurs de l'économie ne sont pas au même niveau, et c'est pour cela que je voudrais attirer l'attention sur la plateforme que nous voudrions créer au début de l'année prochaine, en janvier 2019, c'est l'Artificial Intelligence on Demand Platform, justement pour pouvoir autoriser l'accès à du logiciel, à tester des modèles, pour pouvoir échanger des bonnes pratiques. Je voudrais vraiment qu'on en fasse de cette plateforme européenne une base pour ensuite mieux définir et mieux rebondir sur certaines actions et certains partenariats beaucoup plus concrets. Oui, je voulais aussi dire que dans les années 70, 80, 90, la France et l'Europe ont été au défi des grands défis mondiaux, notamment dans l'industrie. On a su créer un Airbus, on a su créer un certain nombre de conglomérats industriels qui ont fait front face aux États-Unis, face à la Chine ou à l'Inde. On a raté les années 90-2000 et tous les GAFA sont soit américains, soit chinois, pour faire très vite. Et finalement, on a raté en Europe l'Airbus du numérique tel que nous le connaissons dans les années 90-2000. Là, on a une troisième révolution, si j'ose dire, qui est l'intelligence artificielle. Il faut absolument, mais ça, c'est à l'Union européenne de le faire, bien sûr, avoir une fiscalité attractive et d'avoir des pays qui se mettent d'accord. Mais il faut absolument qu'on arrive à créer le Google de l'intelligence artificielle européen de demain. Ça n'empêchera pas les autres, évidemment, de grandir, mais au moins on aura une solution européenne qui nous permettra d'être en concurrence, de comprendre, et de même qu'il y a une concurrence entre Boeing et Airbus, d'avoir une solution peut-être qui n'est pas européenne et une solution européenne. C'est pour nous très important et c'est à l'Europe de l'organiser. Oui, je crois que le commissaire nous fait passer comme message est extrêmement important. En effet, au même moment, il faut travailler sur la régulation, il faut travailler sur nos valeurs. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit qu'on vive avec nos valeurs, mais avec une certaine forme de modestie aussi. Et bon, moi, je parcours le monde tous les jours. Il se trouve que je suis français, très attaché à nos valeurs françaises. Mais enfin, il y a plein de pays dans le monde qui viennent d'horizons extrêmement différents. L'Union européenne, post-Brexit, ce sera 20% de l'économie mondiale. Ça veut dire qu'il y a quand même 80% des autres pays qui représentent, dont les États-Unis, qui représentent parfois d'autres points de vue.
Donc il faut être attaché à ces valeurs, les défendre, mais dans un dialogue qui doit se faire avec les autres, parce que j'ai peur qu'un peu trop d'arrogance européenne sur c'est nous qui sommes le berceau des valeurs mondiales par les Lumières ou par tout ce que nos pays européens ont pu apporter, puisse un peu énerver les autres et avoir des effets contre-productifs. En revanche, ce que j'apprécie beaucoup dans ce que vous dites, c'est le côté pragmatique. Le moment est venu de faire, parce que cette compétition, comme le disait le ministre, elle est là au moment où on se parle. Et comme vous le disiez, je pense que l'Europe a raté, en gros, le digital du consommateur. C'est un fait. En revanche, l'Europe peut gagner le digital de l'industrie. Parce que si on regarde l'industrie entre les différents pays européens, et je pense particulièrement, bien sûr, entre l'Allemagne et la France, on peut être, en Europe, on peut créer les GAFA qui seront de ce qu'on appelle Industry 4.0, dans lequel on retrouvera les grandes plateformes digitales, l'Internet des objets qui commence à monter et les autres technologies. Et avec des acteurs européens, je pense à des gens comme SAP, à des Dassault Systèmes, qui peuvent être pionniers dans ce domaine-là. Donc peut-être le moment est venu dans nos stratégies européennes de regarder là où on peut être gagnant plutôt que de jouer une forme de défense sur des parties d'activité qui ont pu être déjà prises par d'autres. Donc ça me semble important. Ce que vous disiez, le problème numéro un, c'est l'accès. Donc c'est l'accès. Je pense que là, beaucoup de pays ont beaucoup travaillé. Et certains pays pensent que parce que j'ai mis la fibre, parce que j'ai la 5G, je suis digital. Non, l'infrastructure, c'est une route, on l'a faite. S'il ne passe rien dessus, on ne crée aucune valeur. Mais il faut l'avoir. Ensuite, c'est l'écosystème. Et là, on a des représentants de l'écosystème de start-up. Et je trouve que toute l'Europe a fait des progrès extrêmement importants dans les start-up. Sauf qu'il faut les faire grandir. Le passage de la start-up à la licorne et à un géant n'est pas là. Et on célèbre les start-up. Nous, on travaille avec plus de 5000 start-up dans le monde. On les célèbre tous les jours. Mais une start-up, il faut qu'elle grandisse et qu'elle ait du succès. Et puis après, et on sait que c'est un problème, par exemple, dans un pays comme la France, c'est le déploiement de ces technologies. Quand on regarde les robots, par exemple, ils sont plus déployés en Allemagne qu'ils ne sont déployés en France, avec cette idée que le robot, il va prendre le job du travailleur. Ce qui est vrai et faux. En fait, il va le déplacer. Il ne va pas lui prendre. Il va le déplacer. Donc, il faut vraiment que les pays travaillent sur l'accès, l'écosystème, le financement de l'écosystème, mais aussi le déploiement dans les PME, pas dans les grandes entreprises, mais dans les PME de toutes ces technologies. Sinon, on n'améliorera pas la compétitivité. On aura fait de belles routes. Well, thank you. Panels that discuss artificial intelligence normally veer between the extreme optimism and the extreme pessimism, and I think it's fantastic that we've been able to cover a range of topics, but also end on, I think, a very hopeful note, particularly a hopeful note for Europe. So please join me in thanking this fantastic panel for the discussion today. Thank you very much.